c'est un projet qui est emblématique par sa mise en œuvre, c'est-à-dire que c'est un projet qui a un enracinement très fort dans les territoires. C'est un projet qui est aussi exemplaire sur l'emploi et pouvoir compter avec un investissement de la BEI à hauteur de 40 millions d'euros, eh bien, c'est aussi un événement qui est de nature à favoriser l'entrée d'autres investisseurs dans notre fonds. Nous avons obtenu en début du mois de juin 2013 le titre de village préféré des Français. Et puis la question m'a été posée, mais Claude, que veux-tu ? Ils s'attendaient à ce que je demande des subventions, par exemple pour un parking, pour y mettre toutes les voitures de ces touristes. Et puis je leur ai dit, la fibre. Si vous voulez attirer des entreprises dans votre village, la première des choses qu'ils vont vous demander, au niveau du débit. Si vous leur dites que vous n'avez quasiment pas de débit, que vous travaillez encore en kilobit, ils ne viendront pas. Le fonds Ginkgo a un impact environnemental très important puisque nous dépolluons des terrains qui sont lourdement contaminés. Le fonds Ginkgo a également un impact économique qui est très fort puisque nous prévoyons de créer 350 000 mètres carrés de droits à construire, de l'ordre de 5 000 logements et de l'ordre de 8 500 emplois induits. La BEI a joué un rôle de catalyseur dans la mesure où ils ont dépêché une équipe de spécialistes, des économistes, des ingénieurs, des juristes qui ont regardé notre projet de fond en comble, à l'issue de quoi ils ont donné leur feu vert pour un financement, ce qui a énormément rassuré l'ensemble des investisseurs du fonds Ginkgo. Et nous avons aujourd'hui réussi à clôturer notre levée de capitaux à 140 millions. Il s'agit de répondre au logement des classes moyennes dans les zones tendues, dans les métropoles, de manière à pouvoir satisfaire les besoins des key workers, les travailleurs clés. Nous avions à la fois besoin d'un financeur qui s'inscrive dans la durée et dont la notoriété, la solidité apporte en quelque sorte une garantie au réalisme du modèle économique que nous avions et dont le rôle de la BEI a été essentiel à cet égard. Lorsque la BEI a affiché le fait qu'elle souhaitait nous soutenir, ça a été un catalyseur absolument extraordinaire, puisque le sérieux de la BEI est connu de toute la place et ça favorise bien sûr l'enthousiasme des autres investisseurs. Donc ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. C'est clair que c'est un apport déterminant pour le succès de notre levée de fonds. On peut récupérer plus d'un milliard d'effets de levier avec du financement bancaire et donc espérer déployer pratiquement 1,5 milliard d'investissements dans les infrastructures de production d'énergie verte en Europe. Donc c'est vraiment extraordinaire. En faisant 750 MW, c'est à peu près 1500 emplois directs et indirects qui seront créés par ces projets. La valeur ajoutée des projets dans lesquels investit le fonds Quadrivium 1, c'est le fait de transformer de la recherche académique en une start-up. Cette start-up développe des produits et des services. Donc si on prend par exemple une société comme PepTherapy, dans laquelle le fonds a investi 1 million d'euros, aujourd'hui la société développe un premier produit médicament de traitement des cancers triple négatifs. Et grâce à cet investissement, le produit va finir sa préclinique très bientôt. Nous allons dans cette nouvelle usine fabriquer annuellement 700 millions de briquettes de lait aromatisé à destination des enfants chinois. Et la BEI, en entrant sur le dossier, a globalement boosté aussi les banques traditionnelles et permettra d'aller vers le marché grand export. Nous, qui sommes une entreprise de taille modeste, être financé à hauteur de 50% ces projets industriels,
C'est un honneur et une reconnaissance dont, et donc nous devons être infaillibles sur le fait d'avoir la capacité à rembourser nos engagements.